Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour moi que celui d'être ici parmi vous. J'aimerais remercier chaleureusement le président de l'Institut du DMU pour son invitation, Charlotte et Karine pour l'organisation de ce séminaire, et Jordan pour, pour sa présentation officielle. Je suis flatté, hein, c'est la première fois qu'on me présente avec euh, autant de soin <rire> euh... <rire> J'aimerais plus largement saluer tous les professeurs, les collègues, les étudiantes et étudiants, ainsi que les amis présents aujourd'hui. Je trouve que vous faites toutes et tous preuve d'une vraie courtoisie et d'un vrai courage chevaleresque pour assister à cette présentation, un vendredi d'après-midi sombre et pluvieux. Et c'est aussi un honneur pour moi, en tant que jeune docteur, de prendre la parole ici, en ces lieux, parce que pour moi, c'est quand même un peu ici où tout a commencé. En présence de Didier et de Robert, envers lesquels j'ai contracté une, une dette intellectuelle énorme depuis le baccalauréat. Alors, ma communication d'aujourd'hui s'intitule Écrire l'adoubement chevaleresque dans l'Europe du Nord-Ouest au XIIe et XIIIe siècle, questions documentaires et problèmes historiens. Euh, Divulgachard, hein, on va parler un peu de méthodologie. Comme je disposais d'une certaine liberté de propos dans mon intervention, en autant que celle-ci favorise la réflexion commune autour de documents, j'ai choisi de centrer mon propos sur les documents que j'ai étudiés dans ma thèse, pardon, ou plutôt sur les questions documentaires et les problèmes euh, historiens, je dirais que j'ai eu à résoudre dans le cadre de mes recherches sur les documents. Donc aujourd'hui, je laisserai plutôt de côté la dimension comparatiste ou purement sociologiste de, sociologique pardon, de mes travaux pour vraiment. Euh, en fait, m'intéresser au premier axe que Jordan a mis en exergue, qui est celui d'écrire l'adoubement, au fond, des documents et du sens social de l'écrit autour de l'adoubement. Et puis, j'ai également pris le parti de ne pas simplement vous présenter les résultats de mes travaux doctoraux dans le cadre de ce séminaire, afin d'éviter de faire de cette communication une sorte de spécimen scientifique de l'illusion biographique. Je vous rappelle que l'illusion biographique, c'est un concept inventé par Pierre Bourdieu. Pour rendre compte de la logique narrative des récits de vie, on sait que quand quelqu'un fait le récit de sa vie, en fait, euh, il ou le temps à le présenter comme un chemin en mettant, les, en, les, les, pardon, en, mettant en ordre les événements de sorte que euh, tout a toujours conduit à la situation actuelle et en taisant généralement les hésitations et les voies qui auraient pu autrement être empruntées. Et je me suis dit que euh, les travaux scientifiques. Et, et a fortiori, les travaux comme la maîtrise et le doctorat, hein, qui sont fondés à quelque part sur une forme d'expérimentation et sur une forme euh, d'essai-erreur, euh, peuvent aussi, lorsque c'est tout beau, lorsque c'est rédigé, euh, taire un peu les essais-erreurs et, euh, l, je dirais, l, le rapport expérimental de la démarche. Et là, le type d'organisation des travaux finaux, généralement, n'admet pas qu'on expose une grande partie de ce qui, à mon avis, fait l'expérience de la maîtrise et du doctorat. Euh, c'est-à-dire le doute en soi, les hésitations théoriques, les aventures méthodologiques, les allers-retours historiographiques et les casse-têtes documentaires. Et, et c'est pour cette raison que je ne vous présenterai pas la version finale des résultats, euh, ou la version illusion scientifique, si vous voulez, mais plutôt sa version archéologique. Ce que je propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est l'archéologie de ma propre démarche, en partant des problèmes documentaires. En partant des problèmes linguistiques et discursifs auxquels j'ai, pour ma part, été confronté dans mon étude de l'adoubement, en insistant sur les réponses que j'ai pu apporter à ces problèmes ou aux hypothèses que j'ai pu formuler. Et l'objectif d'une telle communication, c'est d'une part d'être le plus utile possible aux étudiantes et aux étudiants qui sont présentement à la maîtrise et au doctorat et qui pourraient partager ces mêmes questions documentaires et ces mêmes problèmes historiens. Et d'autre part, évidemment, susciter la critique, les suggestions, les observations des professeurs et collègues qui connaissent bien euh, ces questions. Et je tiens d'ailleurs à préciser que si jamais euh, une partie de mon propos euh, vous semblait nécessiter euh, éclaircie ou davantage d'explications, je, je vous prie de poser vos questions. Ça ne me dérange absolument pas de, de prendre des questions au fur et à mesure. Alors, ma communication d'aujourd'hui a le, le plan suivant. J'aimerais d'abord dire quelques mots de l'adoubement, de l'adoubement chevaleresque et de l'hypothèse pour montrer de quoi nous allons parler. Puis après, l'essentiel de, de mon propos sera centré autour des questions documentaires et des problèmes d'historien, et puis au fond des, des réponses, des hypothèses et des pistes de réflexion que j'ai apportées à ces questions et à ces documentaires, ce qui me permettra de revenir sur des questions historiographiques, sur des questions de, de variété documentaire. Euh, sur les contraintes de construction du corpus et sur le, le défi que pose, je dirais, l'étude d'un phénomène à partir de langues distinctes dans, la, dans une documentation. Puis après, au fond, euh, je présenterai une démarche en générique, une démarche par genre documentaire. Je présenterai différentes pistes de, de réflexion qui m'ont permis de contourner les dix problèmes. Alors comme je le disais, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut tout de même revenir sur un détail, hein, qu'est-ce qu est qu'on entend par adoubement, sur quoi je travaille. L'adoubement, ou mieux encore l'adoubement chevaleresque, c'était l'acte de magie sociale par lequel un jeune homme, généralement issu de l'aristocratie laïque, était fait chevalier de la main de le Seigneur qui lui offrait des armes équestres à cette occasion. Pour désigner cette pratique sociale, on emploie surtout deux syntagmes, adoubement et adoubement et Je propose moi-même une troisième voie avec le terme d'hypotogénèse. Ces trois concepts renvoient à peu près à la même chose, mais pas exactement, hein. c'est-à-dire au même phénomène social, mais avec des connotations sémantiques assez différentes. Le plus connu des mots, c'est le mot adoubement, qui est un néologisme de la première moitié du 19e siècle, construit par Paulin Paris sur le, le verbe médiéval adoubé, qui désigne effectivement la remise d'armes qui fait chevalier. Dans la littérature médiévale, le mot adoubement lui-même est un apax qui n'apparaît à ma connaissance qu'une fois au XIVe siècle et, et ça renvoie plutôt à l'équipement qu'à la cérémonie. Donc longtemps utilisé de manière simplement descriptive, euh, le mot adoubement a été historicisé à des fins explicatives par Léon Gauthier en 1884 au sein d'une œuvre érudite très fouillée mais dont le but était davantage de former des, des, des néo-chevaliers prêts à, à, se, à se battre contre, contre la Prusse et contre le mercantilisme de la Troisième République, qu'à vraiment expliquer ce qu'était l'adoubement médiéval. Et donc c'est pour ça qu'elle écrit « Adoubement » est un mot que j'essaie d'éviter pour deux raisons. La première est qu'il me semble pétri de, de connotations, je dirais, folkloriques, hein, qui résultent de ces usages sociaux assez variés, Allant de publicité médiévaliste du type euh, de, la de la chocolaterie d'Aigbell. Ça, j'ai mis ça parce que très rapidement, j'ai tapé Adoubement dans, dans Google Image. La première chose qui est sortie, c'est une pub de chocolat du 19e siècle. Chocolat fait par des moines, quand même. Hein. Euh, et donc, il euh, y a vraiment une récupération, je dirais, une connotation folklorique au 19e siècle. Au 21e siècle, Adoubement est, est beaucoup utilisé, en fait, de plus en plus par les journalistes aussi, dans un sens très, très politique. Genre, tel, tel candidat a été adoubé par tel autre politicien. Et le mot adoubement est aussi chargé de toutes sortes de connotations bellicistes dans le cadre de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle j'évite de m'en servir, c'est qu'il est historiquement flou. Il peut désigner à la fois des dons d'armes qui ont eu lieu au 11e siècle et jusqu'à très tardivement vers 1650. Donc, derrière la continuité de l'emploi d'un même mot, je trouve que la. Le changement social est en quelque sorte masqué par, par une forme de, de nominalisme. De nominalisme pardon. Et c'est pourquoi je pense que le mot adoubement, en réalité, ne devient utilisable que si on lui accole l'adjectif épithète, épithète chevaleresque. Pour marquer, comme l'a proposé Jean-Fleury, que l'on a affaire à un don d'armes précieuses qui font explicitement chevalier à l'intérieur d'un système de représentation chevaleresque, hein, celui qu'on voit apparaître avec la première floraison courtoise, avec les romans de chrétiens de Troyes avec, je dirais, la, la deuxième et la troisième génération des, des chansons de gestes. Et donc, paradouement chevaleresque, en quelque sorte, on raffine une période qui va bon, entre 1175 et 1650, euh, euh, mais que moi, j'utilise vraiment pour désigner la, la portion 1175-1315, donc avant l'invention des ordres de chevalerie et, euh, et avant que, que la noblesse récupère complètement, complètement cette, cette pratique sociale. Et donc, quand moi je dis adoubement, il euh, faut entendre adoubement chevaleresque. Je fais cours à l'oral, mais quand je, désigne, quand je parle d'adoubement, je parle toujours de cette, de cette deuxième façon de, de désigner cette pratique. Et puis, il euh, faut dire aussi que dans le cadre de mes travaux doctoraux, j'ai choisi euh, de, de faire la proposition euh, conceptuelle qui a fait quand même pas mal parler du mot hypotogénèse. <laughs> euh, hypotogénèse, c'est un néologisme pour dire l'acte de fabrication sociale du chevalier. Et la première partie de la, de la racine, c'est hypothèse, qui désigne en grec le cavalier, et qui était la manière dont les, dont les Byzantins appelaient les, les chevaliers latins. Et je lui ai accolé Genèse pour marquer qu'on a affaire à vraiment un processus sociogénératif. Donc si j'utilise hypothèse, c'est pour prendre la distance avec la connotation folklorique, mais en plus, euh, je dirais, insister sur le fait qu'on a véritablement affaire à un processus sociologique. Parce que d'ordinaire, dans la documentation médiévale elle-même, puis dans certains travaux historiens, on tend à réduire l'adoubement à une dimension individuelle, tandis que pour moi, l'hypotogénèse, c'est la façon dont se fabrique le groupe des chevaliers. Et donc, si nous y voyons un peu plus clair du côté terminologique, vous vous demandez sans doute encore ce qui justifie de faire l'histoire de l'hypotogénèse une pratique suffisamment ancrée dans l'imaginaire collectif pour faire l'objet d'un sketch fameux de la série Camelot. Il est vrai que le déroulement de la pratique de l'hypotogénèse est connu depuis les travaux des érudits des 17e et 18e siècles. Il a été décrit avec une grande minutie à la fin du 19e siècle par euh, des littéraires comme Léon Gautier en France ou Karl Treiss en Allemagne, qui ont vraiment dépeint avec force détail la vigile, le bain, la remise des choses, du haut du haut et des éperons. Le geste de cindre l'épée est celui de la coller, qui a fait couler quand même aussi beaucoup d'encre. Et finalement, évidemment, la présentation du destrier et la quintaine qui, ensemble, forment le déroulement de l'adoubement chevaleresque. Mais si on sait depuis longtemps décrire l'adoubement, il fallait encore tenter, et c'est ce que j'ai voulu faire dans le doctorat, tenter de l'expliquer, de mettre au jour son fonctionnement et de, construire, et de comprendre ses significations sociales. Significations sociales qui... Ne prennent sens qu'au sein de la société féodo-ecclésiale, une société dont le système de représentation était déterminé par le christianisme tel qu'il s'est mis en place dans l'Europe occidentale, société qui était structurellement formée par l'articulation étroite de relations sociales d'importance inégale. Et c'est une, une présentation que je, que je reprends de la synthèse de Jérôme Bachet parce que c'est lui qui le met en ce mot-là. Pourquoi j'insiste là-dessus euh, c'est parce que même si j'ai fait ma thèse sur l'adoubement, je considère qu'il appartient pleinement au niveau auxiliaire. C'est-à-dire que la société féodale était structurée par la société -ecclésiale, pardon, était structurée euh, par un niveau primordial de relations sociales qui, à mon avis, était fondamentales, telles que celles qui euh, unissaient et opposaient les clercs aux laïcs, les hommes aux femmes, les seigneurs aux dépendants. Et que, et que si c'est ce niveau qui faisait tenir l'ensemble de la société féodo-ecclésiale, il y avait un second niveau qui était plutôt. Prépondérant celui-là, celui par exemple de la rivalité entre le clergé, rivalité et complémentarité hein, entre le clergé et l'aristocratie laïque, entre la monarchie et l'aristocratie, entre le clergé et la monarchie et entre les mondes urbains et les mondes ruraux. Et dans la société féodoclésiale, il y a un troisième niveau de relation, donc, euh, que je considère euh, clairement subordonné et conditionné par les précédentes, et notamment. Des stratégies de structuration interne des groupes sociaux. Et la doublon, ça c'est vraiment une stratégie de, interne, de structuration interne d'un groupe social qui est celui de l'aristocratie laïque. Parce que la doublon chevaleresque, c'était une pratique inventée par et pour les aristocrates laïques, généralement dans une documentation qui, à bien des égards, était également par et pour l'aristocratie laïque. Cela signifie, à mon avis, que quand on travaille sur un objet comme celui-là, il faut à la fois souligner son importance, tout en insistant qu'il était vraiment intégré à des rapports sociaux qui le dépassaient et qui lui donnaient forme. Et je pense que, euh, encore une fois, c'est important de le préciser car l'histoire de la chevalerie au 19e siècle, ou même on pourrait dire avec Alain Guéraud, euh, la fabrique de l'inintelligibilité de l'histoire de la chevalerie au 19e siècle, parce que la chevalerie a tellement été récupérée et insérée dans des histoires politiques. L'histoire de la chevalerie en a fait, euh, au terme d'un processus de sur, survalorisation, quelque chose de, de central euh, à la constitution de l'aristocratie laïque, et je ne suis pas du tout certain que ce soit euh, effectivement euh, le cas. Donc, un rôle auxiliaire, mais pas tout à fait accessoire. C'est comme ça que je catégoriserais euh, la place de l'adoubement dans la société féodale. Je pense qu'il faut en faire l'étude sans trop survaloriser, évidemment, son importance. Mais je pense, et je pense par ailleurs, et j'en arrive à mon propos d'aujourd'hui, que l'histoire de l'adoubement chevaleresque peut avoir, pour le coup, une grande vertu méthodologique pour l'histoire des pratiques sociales ou pour des problèmes d'histoire culturelle. En effet, la caractéristique fondamentale de l'histoire de la chevalerie et de l'adoubement, c'est qu'on peut compter sur une certaine forme d'abondance documentaire, en ce sens qu'on a assez de documents pour faire l'histoire de la chevalerie et on a assez pour devoir opérer un tri. Devoir faire des sélections parmi l'abondance documentaire. Mais ces documents sont si largement répartis dans l'espace et le temps que ça interdit de faire une étude très serrée sur une localité. On ne peut pas vraiment faire une histoire de l'adoubement ou de la chevalerie sur un plan régional, à mon avis. Ça pose vraiment des problèmes. Euh, D'abord parce qu'on ne voit pas nécessairement foisonnement d'adoubement de, de, ou de pratiques chevaleresques de, dans les chartes et que, évidemment, les modèles littéraires, eux, circulent largement sans être nécessairement euh, euh, associés à, à une localité ou à une région. Et donc, cette, cette, ce, cette situation particulière entre abondance documentaire et, euh, et répartition euh, élargie dans l'espace et le temps, fait en sorte que pour travailler un sujet comme celui-là, et je pense que ça vaut aussi pour les autres pratiques chevaleresques, par exemple le tournoi, ou si on travaillait sur la chasse aussi, euh, je pense qu'il faut adopter euh, un cadre assez large comme celui de l'Europe du Nord-Ouest, avec un, un cadre temporel aussi euh, en termes de siècles, si on veut. Et donc, l'étude de, de la Douma, donc, a la vertu de poser un certain nombre de questions documentaires et de problèmes historiens. Et j'aimerais aujourd'hui en aborder quatre avec vous, soit ceux qui touchent à l'historiographie, ceux qui touchent au corpus, au foisonnement documentaire et aux questions relatives à la langue. Et, et ces quatre enjeux que j'ai choisis parce qu'il me semble que, par-delà la distinction entre l'histoire antique et l'histoire médiévale, et par-delà la distinction entre, entre des approches proprement historiennes et des, des approches proprement littéraires, euh, les, les, choses, les choses dont je vais parler pourront, euh, pourront être utiles euh, en commun à toutes celles et ceux qui sont ici. Alors, premier défi posé par une une étude de, de l'adoubement. C'est ce que j'ai appelé les sillons de l'historiographie. Depuis la fin du Moyen Âge, hein, autrement dit depuis vers 1650, euh, bien, bien des érudits et des historiens se sont penchés sur le phénomène historique de la chevalerie, qu'ils considéraient tour à tour comme une cérémonie, une qualité immobilière, une idée, une mentalité, une classe sociale, une idéologie un système de valeurs ou un système de représentation. Les auteurs de ces nombreux travaux sur la chevalerie, et j'aimerais dire autrice, mais c'est pas vraiment possible parce que c'est vraiment pour le coup un champ scientifique qui est tout à fait, euh, en fait, qui est essentiellement le résultat de, de travaux d'auteurs, hein, ont généralement consacré quelques pages de leurs travaux à la Cependant, ils ne le firent que de manière connexe ou ancillaire afin de compléter et renforcer leur théorie sur la chevalerie. Parce que c'est toujours ou presque la chevalerie qui était l'objet de la recherche et non euh, l'adoubement. Cela a pour conséquence de faire de l'historiographie de l'adoubement une créature formée des principales tendances de l'historiographie de la chevalerie. Ainsi, pendant le moment historiographique où la figure de Georges Duby surplombait l'histoire de, de la société féodale, toutes les interprétations de l'adoubement furent énoncées en conformité avec la théorie de la mutation féodale, et en conformité avec l'idée de l'émergence brutale d'une chevalerie aux alentours de l'an 1000, même si cela conduisait à quelques grands écarts entre théorie et, euh, et ce qu'on voyait effectivement, et théorie et analyse documentaire, disons. Et le poids de ces tendances historiographiques est tel qu'il me semble avoir creusé ce que j'appelle des sillons » dans l'histoire de l'adoubement, et au risque de forcer le trait par, simplification, par souci de simplification plutôt. Je désigne par l'emploi de cette métaphore agricole une certaine propension qu'ont eu les historiens et les érudits à développer des propos et des idées sans trop les croiser, c'est-à-dire de manière parallèle et de façon assez hermétique. Et, euh, et comme chercheur, je pense que c'est un des premiers défis auxquels, euh, auxquels on, est, on, on peut être confronté. Prenons par exemple l'une des plus anciennes conceptions de la Douma, la conception que j'appelle juridique ou euh, juridiste, qui est celle au fond qui pose la question du rapport entre adoubement et formation des classes sociales, qui est la grande question, je dirais, de, de l'école qui fait l'histoire de la société laïque. Euh, elle compte en ses rangs de, de braves représentants comme Jacques Flash ou, euh, ou euh, Paul Guy mais aussi euh, tous les grands noms de, de l'époque de la monographie régionale, parce que des chercheurs comme euh, Robert Boutruche, comme Léopold Génico, comme Léo Verrier, comme Theodore Maillard, comme Heinrich Dannenbauer et même comme le premier Georges Duby, n'appréhendaient par exemple le, le phénomène chevaleresque que sous l'angle du rapport entre les notions juridiques de liberté, de noblesse et de chevalerie. En fait, c'était vraiment ça leur, leur terrain de jeu, côté chevalerie. Et ils se cantonnaient la plupart du temps à trois genres documentaires bien précis, donc les écrits diplomatiques, euh, les chartes, euh, donc les chartes écartulaires. Euh, les coutumes et, et tous, les, tous les courants historiographiques dont je parle, évidemment, à divers degrés, se servent aussi des écrits iconographiques qui sont quand même les, les chroniques, les histoires et, et, et les annales. Et donc, euh, il ne s'intéressa à l'adoubement et à la chevalerie que sous l'angle de est-ce qu'on devient noble quand on est chevalier Est-ce que le, le, la chevalerie, euh, euh, disons, est réservée à la noblesse Et c'est strictement des questions qu'on posait dans un nombre restreint de genres documentaires. Et ça ça avait comme conséquence évidemment de produire une certaine vision de la chevaleresque dans une espèce de conjonction entre, entre une limite posée par l'approche et une limite posée par le genre de documentaire qu'on choisit le genre de document qu'on qu choisissait d'étudier. Et à l'inverse, tout autre est la perspective usuelle des littéraires et des historiens de la littérature qui ont plutôt eu l'idée plutôt eu tendance à développer l'idée que la chevalerie était un code d'honneur un ensemble de principes éthiques, tantôt inventés par la chevalerie elle-même, tantôt imposés à la chevalerie par l'Église, et donc à ne pas poser précisément les, les mêmes questions que ceux de, que les historiens de l'approche juridiste. Parce que euh, faut dire que les littéraires et les historiens de la littérature, eux, avaient une documentation beaucoup plus complexe, à mon avis, à leur disposition, parce qu'ils étudient les chansons de gestes, les romans en vers, les romans en prose, les lais. Soit les genres documentaires dans lesquels sont développés de façon complexe le système de représentation chevaleresque, et c'est là-dedans aussi qu'on élabore sur le sens de la Dupin. Euh, mais c'est un, un, une approche, je dirais, qui se présente également comme un sillon, en ce sens que ces travaux ne sont pas toujours lus par les historiens qui ont travaillé sur la conception juridiste, mais surtout il n'y a pas toujours eu l'effort de poser la question des réalités socio-historiques, derrière ces pratiques. Et encore une fois, je pense que si la, la posture, si vous voulez, littéraire varie ou est si différente de la posture juridiste, c'est parce que le socle documentaire est différent. Donc vous avez à faire, quand vous prenez vraiment l'étude de l'adoubement, à des sillons historiographiques qui sont aussi, au fil du temps, vous vous rendrez compte, des sillons documentaires. On ne dit pas les mêmes choses parce que on ne regarde pas la même chose et on s'assure pas toujours de faire, de faire dialoguer les, euh, les conclusions ou les démonstrations. Et dans le même, dans le même ordre d'idée, évidemment, dans une perspective anthropologique ou ethnologique effectuée sur la base d'une étude d'exemple-là, on a volontiers conçu l'adoubement comme un rite folklorique. Je pense à certains travaux de Jean-Claude Schmitt dans les années 70. Mais souhaitez-vous plutôt faire l'histoire de l'idéologie chevaleresque comme Jean Fleury dans les années 80 mais vous allez chercher, puis surtout idéologie chevaleresque donnée par l'Église à la chevalerie, mais vous allez euh, proposer des thèses fondées sur une étude de sermons, de chroniques, de textes de la patrologie latine. Et si euh, vous êtes plutôt de l'approche de David Crouch, qui dernièrement euh, s'est penché sur le rapport entre éducation, chevalerie et adoubement, vous allez regarder des traités didactiques, des Enseignamen occitans ou des Distica euh, catonistes, donc des textes, euh, des textes repris au Moyen Âge qu'on attribuait à Caton, c'est des textes, disons, didactiques ou moraux. Alors voilà, Donc, ce que je voulais montrer par là, c'est qu'on peut dire vraiment que les différenciations historiographiques qui existent et auxquelles on est confronté sont vraiment formées sur une sorte d'hermétisme documentaire. Et en réalité, je pense que l'écart entre les approches historiographiques procède sans doute moins de la méconnaissance des travaux de chacun, que d'une sorte d'hermétisme, je dirais pas d'hermétisme, mais de division du travail entre les disciplines. Au fond, aux historiens euh, vont les chartes, les cartulaires, les coutumes aux littéraires vont les chansons de gestes, les romans en vers, les romans en prose et les laits, euh, etc., qui fait en sorte que chacun s'occupe de son prix documentaire et développe des, des visions distinctes de l'adoubement, qui sont de toute façon des, des créatures historiographiques des études de la chevalerie. Et loin de moi, d'ailleurs, l'idée de blâmer qui que ce soit, tant les différences entre les documents sont grandes. Et vous en avez quelques exemples déjà, si vous avez les exempliers. Là, j'ai mis plusieurs, euh, plusieurs exemples de, de types documentaires. Et j'aimerais d'ailleurs prendre un peu de temps avec vous, euh, disons, hein, cette moitié de présentation, hein, pour, pour bien poser cela, pour vous présenter les principaux types documentaires avec lesquels... Euh, on a fait et avec lesquels on peut faire l'histoire de l'hypotogénèse afin que vous ayez une idée des différents types de discours auxquels on est confronté lorsqu'on s'attaque à l'histoire d'adoubement ou à l'histoire de la chevalerie. et donc j'aimerais les passer en revue avec vous et vous présenter quelques, quelques exemples. et pendant qu'on fait ça, je vous, je vous demanderai de, de porter votre attention particulièrement sur trois points. Euh, d'abord, à la manière dont chaque genre documentaire Exprime l'adoubement, au fond, dans quel discours est-ce que ça s'insère? Ensuite, aux mots qui servent à le désigner, parce que l'adoubement, je l'ai dit, est un néologisme du 19e siècle et ne correspond pas à ce qu'on observe dans la documentation. Et fort souvent, on est parti de notre conception de l'adoubement pour la calquer sur la documentation médiévale, et aussi à la différence et aux différences entre les langues. Alors, Premier type de, de document, premier grand genre documentaire dans lequel on trouve des mentions d'adoubement, c'est peut-être un, un des genres certainement les plus importants, ce sont les écrits chronographiques. Par écrit chronographique, j'entends les chroniques, j'entends les histoires, j'entends les annales qui euh, sont ou qui ont pour fonction, en tout cas selon la définition cicéronienne, de raconter les événements tels qu'ils se sont passés, en insistant sur euh, le moment où ils ont eu lieu, les lieux où, où ils se sont déroulés, et les agents par lesquels les événements sont advenus. Mais évidemment, la conception médiévale de la chronographie ajoute un autre degré à la définition cicéronienne, en ce sens que le but des chronographies, c'est de, en quelque sorte de faire l'histoire. De la manière dont les hommes et les femmes euh, disposent du libre arbitre, faire l'histoire de la manière dont ils l'emploient et de qu'est-ce qui arrive quand ils se conforment au dessein de Dieu ou qu'est-ce qui arrive quand ils ne se conforment pas au dessein de Dieu. Alors, les écrits chronographiques, je le disais, sont très importants pour, euh, pour faire une, 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 une histoire, de, je dirais, de la pratique de l'adoubement dans la réalité historique matérielle, par opposition au, au monde de la fiction. De la, de la littérature courtoise. Et ce qu'on exprime dans les écrits chronographiques, c'est généralement des, des, des mentions assez brèves. Ça, ça se limite à, somme toute, peu de choses. Euh, je prends l'exemple, c'est trois exemples d'adoubements qui sont relatifs à, au roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet. Donc le sien, un adoubement raté qui est celui de, du roi Malcolm d'Écosse, et l'adoubement de son fils. Donc généralement, ce qu'on retrouve dans les, dans les écrits chronographiques, c'est la mention de l'année à laquelle un personnage important a été adoubé, parfois l'endroit, et à peu près toujours le rapport entre l'adoubeur et adoubé. Et c'est des notices qui sont assez, assez courtes, hein, comme par exemple Enricus Secundus Fit Miles Addauit Regis Cotorum, Qui fecit omagium lodoico, regi francorum de ducatu normanni et comitatus ande donc dans, le, dans les annales dans, dans dans les de Dunstaplia, là vous avez tout ce qui est écrit dans, dans l'entrée par rapport à la d'Henri henri II. Il n'y a pas de coupure. Donc on se limite li vraiment à mentionner qu'un personnage a été... Euh, en l'occurrence, vous voyez dans le latin, ce n'est pas adoubé, c'est fit miles, hein, c'est donc euh, être fait chevalier, miles factus qui est le mot qu'on emploie le plus souvent. Et on a, quand on est chanceux, parce que ce n'est pas toujours le cas, une, une espèce de... De phrases qui précisent l'incidence ou, ou la conséquence de, cette, de cet adoubement, comme dans ce cas-là, c'est que, euh, que tout de suite après l'adoubement, donc, donc une fois qu'Henri II a été adoubé, a été fait chevalier, et qu'on lui a reconnu euh, son âge adulte ou sa capacité à, à, à porter des actes juridiques, il a pu, dès le départ, faire hommage donc, au roi Louis pour le duché de Normandie et le comté d'Anjou. Donc quand on a des. des, des des œuvres chronographiques, c'est ça. On a l'adoubement, puis quand on est chanceux, on a les conséquences directes d'avoir traversé cet acte. À l'inverse, on peut avoir des exemples comme le second, qui est un des rares exemples d'adoubement, je dirais, raté. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est qu'Henri II rencontre, rencontre Malcolm, le roi d'Écosse, à Carlisle. Euh, les deux parlementent sur la question de l'appartenance ou de la possession des, des territoires qui sont au nord la Northumbrie, donc le Westmoreland, le Cumberland, qui sont des territoires qui ont été cédés par Henri II à son grand-oncle, le, le roi d'Écosse, à l'époque où Henri II lui-même était petit et dans une situation assez défavorable, et qui a donc cédé beaucoup de territoires à son, à son grand-oncle en échange de son appui et de son adoubement. Et lorsque la situation est inversée plus tard, ben, Henri II est en force et Malcolm, lui, en situation de faiblesse, ben, l'idée c'est qu'il refuse de l'adouber tant que les territoires n'auront pas été rétrocédés. Et vous avez là ici l'idée que sed non benefacti amici requeserunt idem rex scotorum non dum miles factus est donc comme ils n'ont pas réussi à être de bons amis donc la, la, la disposition je dirais le, le rapport social de caritas ne circule pas entre eux et eh bien le roi d'Écosse n'a pas été n'a pas été adoubé donc par la négative ici on a euh, on fait ressortir le fait que euh, l'adoubement doit prendre place à l'intérieur d'une relation de concorde et de caritas. Mais la plupart du temps, vous avez des, des simples phrases qui sont vraiment du genre ⁇ Eodemano, Ioannes, Filius Regis, apatri militaribus accinctus armis apud windes loram, pridie calendas apriis, in imberniam in, pardon, Donc c'est euh, Henri II qui adopte son fils euh, Jean Santerre et puis qui l'envoie après ça euh, en Irlande. Et, euh, ce que vous voyez, et ce que je veux aussi vous faire prendre conscience, c'est qu'il euh, y a plusieurs façons d'exprimer l'adoubement en latin, donc fit miles, miles factus ou militaribus accinctus armis, et ça j'y reviendrai plus tard dans la présentation pour le côté, euh, pour le côté linguistique. Mais, euh, mais donc en plus, quand on aborde la documentation, y, y, la question qui se pose immédiatement, c'est est-ce que, ces, est -ce que toutes ces expressions, est-ce que tous ces syntaxes désignent la même chose, est-ce qu'ils construisent le sens de l'adoubement de la même façon et donc vous comprenez que dans la posture juridique où on sert essentiellement de documents comme ça, on arrive à une certaine vision de la Dubman, qui est tout autre que celle que vont avoir les, les littéraires, qui ont affaire à, à un discours euh, absolument différent. Parce que dans les chansons de gestes, on retrouve des, des motifs narratifs hein, qui sont assez standardisés, mais qui nous... Euh, qui expriment d'autres choses, qui ont un souci de mettre en scène et de décrire autre chose que ce que vous avez eu précédemment. Là, je vous ai donné le, le cadre du motif narratif de l'adoubement dans la chanson de geste où on, on retrouve toujours les mêmes éléments qui sont en réalité agent, réagencés par les auteurs et les clercs. Et là, ce n'est pas les questions de... En fait, c'est surtout la question matérielle du déroulement de l'adoubement qui est mise de l'avant avec une insistance sur la préparation de la solennité, sur la manière dont les arbres sont apportés, les choses lacées, une chemise endossée, le revêtu le homme lacé, l'épée sainte, la collier reçue, bref, toutes les étapes qui font l'adoubement, euh, qui, qui marquent cette pratique. Avec, pour le coup, vous voyez, un, là, je n'ai pas, dans l'exemple de l'adoubement de, de, de régner dans Girard de Vienne, euh, on retrouve deux verbes qui, qui peuvent exprimer l'adoubement, potentiellement, dans la documentation, « adouber » en ancien français, et, euh, et « l'irois roi, lire saint, un riche brin d'acier », à la ligne 7, l'idée de cendre l'épée en elle seule peut euh, exprimer donc, la, la promotion chevaleresque. Mais vous êtes dans un monde de, de discours et de, et de lexique qui est, qui est tout à fait différent du, du, du document précédent. Et donc, dans la chanson de geste, on peut avoir un souci de description, comme on peut avoir euh, des discours qui... Qui narrativise donc le, le, la place de l'adoubement ou de la promotion chevaleresque à l'intérieur d'un parcours de vie et d'une relation. Et là, je vous ai mis un exemple qui est celui de, de l'adoubement de Garnier dans la chanson de geste Aïe d'Avignon, qui place le moment où le, le, le héros Garnier est fait chevalier en continuité avec son éducation, son éducation comme écuyer. Ça commence avec euh, en fait, le passage commence littéralement par une description de la manière dont Charlemagne a fait élever Garnier, donc la, re, la nourrit, à l'intérieur d'une relation de, de, de fosterage, où le roi, quand le roi va en bois, ne le veut pas laisser, où il porte son arc, où il tient son estrier. Bref, c'est une proximité physique et personnelle entre le seigneur et son nourri, entre Charlemagne et Garnier, qui est décrite partout dans cet extrait. Et quand va en rivière avec lui-même Garnier, où il porte l'autour ou le faucon gruyer quand le roi veut dormir, Garnier est au couchier, euh, et dit chansons et sons pour le roi solacier. Et évidemment, quand 20 a termine qu'il put arme bailler, le bon roi Ladouba ne veut plus délayer. Donc, une fois, que, une fois que, je fais de la paraphrase, mais une fois que Garnier est assez vieux, le roi en fait chevalier, et en réalité, le service se poursuit, il n'est que plus haut, hein, parce que de sa cour lui donne le plus riche métier. Il le fait Sénéchal et son gonfanonnier. Et puis euh, Garnier de son côté, lui, veut confondre et chasser les ennemis du roi et dessous tout autres hommes et l'hybride de Garnier. Donc, vous voyez, encore une fois, je fais la comparaison avec les genres des, des œuvres chronographiques, mais on, on a ici un discours qui est, qui est je dirais plus complexe, qui a pas le même sens, qui euh, insiste cette fois sur le sens que peut avoir l'hypotogénèse à l'intérieur des, des pratiques propres à l'aristocratie laïque. C'est notamment ce qui explique donc, les différences entre, entre les sillons euh, historiographiques. et Je dirais que le, même si la, la chanson de geste en tant que telle est, appartient au genre de la littérature courtoise, ou à cet ensemble de textes qui est celle de la littérature chevaleresque, euh, elle marque aussi des écarts ou des différences avec les autres types de, de genres littéraires qui appartiennent eux aussi à la littérature chevaleresque. Si vous prenez les romans en vers, en fait, les romans en vers, eux, portent beaucoup plus loin une réflexion symbolique sur le sens de la chevalerie et sur le sens de, de toutes les pratiques chevaleresques, dont évidemment l'hypotogénèse. Et ce que vous avez dans les romans en vers, c'est encore une fois, là, un vocabulaire qui est différent. On n'est plus dans Adoubé ou ou épée cindre, on est dans des nouveaux mots qui sont plus près du latin. C'est-à-dire qu'on peut dire, comme dans l'exemple de Gilles de hein, on peut avoir plusieurs façons d'exprimer l'adoubement, comme armelidon et grand conroi »,« chevalier en fit richement, moult l'adouba honnêtement, mais on peut avoir des reprises souvent de euh, chevalier fait ou chevalier être, qui à mon avis sont des, euh, sont des, calques, des calques du latin. Mais ce que je veux montrer par là, c'est que même dans la littérature en langue vernaculaire, quand on est en présence des romans en vers, on est généralement avec un, une façon de présenter l'adoubement qui est fortement narrativisée. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de faire une grande description de la pratique comme dans la chanson de geste, mais c'est de dire, bon, ben, quel est l'impact de cette pratique sur la trajectoire du héros Généralement, c'est une épreuve qualifiante qui lui permet après de, de faire des exploits. Ou encore, c'est une récompense, hein, comme dans Quand le roi Arthur louent, Moltier vêt, dès le damoisel chevalier fait, pour ce qu'il y fit la nouvelle de Tristan et de la Pucelle. Ça, c'est simplement un damoiseau qui, qui se dépêche quand il sait que Tristan, et eux, arrivent, mais il se dépêche d'aller voir le roi Arthur, et lui annonce la nouvelle, puis le roi Arthur, dans sa grandeur, le fait, le fait chevalier. Et donc, à l'intérieur des romans en vers, euh, on développe un autre discours qu'à l'intérieur des, des chansons de gestes, même si c'est la littérature courtoise, qui, qui insiste plus sur le rapport gratuit entre les chevaliers, conçu comme une comme une, une fraternité ou comme un groupe d'ego, alors que dans la chanson de geste, on est plus dans un rapport seigneur-vassal. La chose est encore plus fortement narrativisée quand vous avez affaire au lait, parce que les laits comme ceux de Marie-France, mais, mais d'autres, font mention de l'adoubement, mais à l'intérieur d'un discours hyper bref. Là, vous avez le, comme le degré zéro de l'expression de l'adoubement. Qui est simplement de dire euh, qu'un héros a un âge, qu'un héros est venu à l'âge où il peut recevoir les armes et qu'effectivement il est adoubé avant de continuer le récit. Et puis là, vous voyez qu'on a encore là, euh, des mots comme adoube et, euh, et armelidon. Arme et je vous présente euh, en quelque sorte aussi les, les genres dans l'ordre où l'adoubement est apparu dans la documentation entre le 12e et le 13e siècle. Avec les romans en prose, encore une fois, les clercs, qui sont souvent des clercs qui écrivent à la fois des documents latins et des documents en français, quand même, hein. euh, avec les romans en prose, les clercs se mettent à, pour le coup, je dirais, théoriser plus explicitement le sens social de l'adoubement et euh, son rapport moral et ce qu'on peut faire avec. Et. Euh, et c'est marqué notamment par, euh, par beaucoup plus de conjonctions de, de coordination qui permettent d'exprimer une pensée assez complexe. Et c'est vraiment avec les romans en prose qu'on voit les discours les, les, plus, euh, les plus, je dirais, peut-être pas les plus hautement symboliques ou signifiants ou hautement symbolisés, mais certainement ceux qui, qui témoignent d'une mise en ordre ou en tout cas d'une façon d'essayer d'assigner un sens précis à cette, euh, à cette pratique. Là, je vous ai donné deux exemples qui sont tirés de, de la suite vulgate. Notamment l'adoubement de, de Gauvin, hein, qui est vraiment décrit en détail, quand vint après la messe, s'y prit les rois Arthur sa bonne épée, qu'il ôta d'El perron par le conseil Merlin, s'y à Gavin son neveu aux côtés, et puis lui chaussa les prondestres et les roi ban le sénestre, puis lui, donna, puis lui donna les rois Artus la collée, et lui dit que Prodome le fit. Là, vous avez vraiment des descriptions qui sont, euh, qui sont assez organisées. Et. Euh, et il y a aussi donc, des personnages, généralement en discours direct, qui tiennent des discours sur l'organisation de la chevalerie, qui se servent de l'adoubement, qui, qui prennent l'adoubement comme une pièce de façon de normer les rapports entre seigneurs et chevaliers, ou encore entre chevaliers. Et là, je vous ai mis un extrait qui est issu donc, du lancement à prose. C'est euh, Bohort qui discute avec son écuyer. Puis Bohort a pris un château, l'a laissé à son écuyer, et il s'en va pour toujours. Hein. Et donc, son écuyer, avant le départ de bord, dit, Sire, je vous ai servi plus d'un an s'il m'avait encore rien donné, s'il m'avait promis à bien faire. Et il est ainsi que vous vous en allez et le royaume de l'ogre à tel or par aventure que jamais n'en revendrai. Si vous proie en soi que vous vous en alliez, pour Dieu que vous me fassiez chevalier de votre main, car j'en quitterai de mieux valoir tous les jours de ma vie. Si me donner est le guéridon des services que je vous ai fait, c'est Châtel par couvent que vous le tendrez à bien employer, si Dieu me donne santé. Donc l'idée, c'est d'intégrer ici l'adoubement à l'intérieur d'un rapport de service et évidemment d'un rapport de, de vassalité si le château est confié. Donc là, je vous, fais un, un, je vous ai fait un, un panorama de, des principaux genres documentaires en langue, en langue euh, d'huile, pour le coup. Mais j'aimerais attirer votre attention sur deux autres genres documentaires, ceux qui restent sur votre Exempliers qui sont latins et que je considère pas comme des genres narratifs entre guillemets. En ce sens que les œuvres chronographiques en latin ont, ont une forte narrativité, comme les autres euh, comme les autres euh, œuvres chevaleresques. Mais on est aussi confronté quand on fait l'histoire de la Doubman, aux, aux documents diplomatiques. Comme vous pouvez là, si je présente ça, c'est aussi que vous dans vos recherches notamment médiévales, vous pouvez être confronté à, à aux différences de discours entre un corpus de chartes et ce que vous allez trouver dans les chronographies ou dans les historiographies. Et ce sont des, des problèmes qui, à mon avis, peuvent recouper ce que, je, ce que je montre ici. Alors, dans les documents diplomatiques. Et je pense que les documents diplomatiques ont une, une grande importance dans, dans l'histoire de la Doubma, en ce sens que pendant très très longtemps, on a essayé de faire l'histoire de cette pratique-là, essentiellement avec ces documents, alors que ce sont des documents qui ne disent pas grand-chose de cette pratique. Ils ont deux sens, les documents diplomatiques. Ils peuvent marquer l'accession à l'âge adulte d'un aristocrate. À l'âge adulte, c'est-à-dire un aristocrate qui peut désormais hériter, se marier ou euh, faire la guerre ou confirmer des, des dons de manière, euh, de manière juridique. Ou encore dans des, dans des chartes de franchise qui reconnaissent à un seigneur la possibilité de lever une aide sur euh, un de ses domaines. Je vous ai mis ici un, un exemple, euh, à mon avis, c'est peut-être le plus parlant, hein, de Thibaut de Champagne, qui confirme la donation que sa mère a faite pendant sa minorité aux moines de, de montier la qui dit vraiment « Ego teobaldus, campani et brié comest palatinus, notum facio universis presentes literas inspectoris, quod ego factus miles est existens mei iuris ». Donc l'idée, c'est que moi, maintenant que j'ai été fait chevalier et que je peux exercer mes droits, pour le salut de mon âme, en tout cas, bref, il… Confirme ce qui a été donné à, au moine de, de Montier euh, sous le temps de la, de la tutelle de sa mère, sous le temps où il était sous la tutelle de sa mère. Et à l'inverse, dans les chartes de coutume, vous trouvez à peu près toujours la même formulation. Et là, on parle d'un corpus de plusieurs, euh, plusieurs centaines de chartes, quand même, où c'est donc si le seigneur de la ville, si Dominus Wille des Filio, suo militem facere voluerit, volu donc, si le seigneur de la localité veut faire son fils chevalier, ou s'il veut marier sa fille, ou s'il veut euh, lui-même euh, payer sa rançon d'une capture, ben, il a le droit d'exiger de, euh, une aide aux hommes, de, aux hommes de ces cités. Et donc, les, les documents diplomatiques, eux, euh, je dirais c'est très, très difficile de faire l'histoire des documents diplomatiques. Moi, personnellement, au départ, ce que je vous avoue, c'est ce que j'ai essayé de faire, parce que c'est ce que beaucoup dans l'historiographie ont essayé de faire. Mais, euh, mais j'étais allé consulter Nicolas Perrot qui a fait ce, cet immense corpus, le SEMA, de plusieurs centaines de milliers de documents. Et puis, on, est, on était passé à travers son corpus et on avait trouvé au maximum 200 chartes que je pouvais euh, utiliser. Donc, parmi son corpus, il y en a vraiment pas beaucoup. Et, et la raison pour laquelle il y a si peu, je dirais à l'échelle de tout le corpus, il y a si peu de chartes qui mentionnent l'hypotogénèse, c'est qu'avec les chartes, on est, on est vraiment, ou les documents diplomatiques en général, on est dans des documents qui font référence à l'organisation loco-spatiale de la société féodale. Et donc, l'adoubement ne peut y apparaître que de manière indirecte. L'adoubement ne peut apparaître dans une charte que parce qu'il y a eu un enjeu de droit d'exercer, de faire un don, donc de droit de poser une action qui a rapport à l'organisation loco-spatiale de la société féodale. Et pareil dans le cas des ADO3K, où c'est un rapport à l'exercice d'un dominium. Et je souligne ça pour montrer qu'en réalité, avec l'adoubement, c'est dans plusieurs, plusieurs types de documents, mais on agit à plusieurs niveaux de discours aussi. C'est-à-dire qu'on est essentiellement, je le disais, dans un discours auxiliaire qui, à mon avis, qu'on ne retrouve pas donc dans l'organisation concrète de l'organisation du fonctionnement de la seigneurie, mais qu'on retrouve vraiment plutôt euh, dans des documents en langue d'ouïe, donc produits essentiellement par et pour les aristocraties laïques, et dans un discours qui sert à organiser cette catégorie. Social. Et donc, dernier dernier type de, de, de document dans lequel on peut retrouver des adoubements, euh, c'est les Olim, les registres, les, les comptes qui, qui enregistrent de façon, euh, je dirais, qui, qui tiennent compte et qui enregistrent les choses qu'on qu doit faire par rapport aux adoubements. Généralement, dans les comptes, c'est simplement, bon, on a payé. La ville ou la commune ou le seigneur doit payer X nombre de montants à telle personne pour son adoubement. Mais parfois, on a des, on a des, euh, des, des pièces plus intéressantes. Là, je vous ai mis Léolim. Léolim, c'est quoi C'est des recueils, des décisions du, du Parlement de Paris, en fait. C'est le bout de la chaîne documentaire judiciaire qui garde en note les décisions du roi par rapport à toutes sortes de sujets. Et par Léolim, on, on peut avoir accès au moment où l'adoubement fait l'objet d'une enquête judiciaire. Et dans ce cas-là, c'était euh, l'exemple que vous avez ici, c'était peut-on ou non faire euh, chevalier un vilain. Et le roi se sert, en fait, revendique la, la capacité, ce qu'on peut voir dans les olimes avec euh, les millaises... Euh, ce qu'on peut voir avec les olimes c'est que le roi revendique donc la capacité exclusive de faire les chevaliers par rapport à ses barons, par rapport aux autres seigneurs du royaume. Mm. Et donc, vous voyez par ce tour documentaire que si on prend pas la totalité des documents, évidemment, ça va nous conduire à avoir une certaine vision, si on n'essaie pas de prendre toute la totalité des documents, ça va nous conduire à une certaine vision de l'adoubement qui est, à mon avis, tronquée par rapport à la grande diversité des documents disponibles dont je vous ai, pré dont je vous ai présenté les principaux euh, éléments. Donc, personnellement, comme jeune chercheur, je tombe face à tous ces documents dont je prends conscience dans les différents genres historiographiques. Et, euh, et donc, ce foisonnement est à l'origine de deux problèmes historiens, deux problèmes de recherche. Le premier, c'est comment faire une histoire de l'hypotogénèse sans exclusion documentaire. Donc, comment être capable de faire l'histoire de, de ce sujet ou du sujet de la chevalerie sans carrément rejeter tout un pan de la documentation Parce que c'est ça l'option qui a été généralement retenue. Dominique Barthélémy, qui est par ailleurs un grand historien de la chevalerie, dit clairement la littérature nous mène à des illusions, les cartulaires nous mènent à des déceptions. Le seul genre de documentaire avec lequel on peut travailler, c'est les, ch les, les chroniques. Pardon. Donc vous voyez que tactiquement, on exclut des types de documentaires et on garde ceux avec lesquels on est plus à l'aise pour faire une histoire. Et puis moi, je me suis dit est-ce que je suis capable d'en faire une Est-ce que c'est possible, comme chercheur, d'en faire une sans passer par ce procédé d'exclusion documentaire et sans tomber non plus dans le deuxième piège, pour le coup, si on retient tous les documents, qui est de tomber dans celui de la juxtaposition documentaire, qui est de simplement faire une histoire où on part d'un genre documentaire et on glisse vers un autre. Et je vous ai donné un exemple ici, qui est un, tiré d'un travail, qui, qui est d'une œuvre, hein, Les origines de l'Ancienne France, par Jacques Flash, qui est, qui est une œuvre que j'estime et que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais Jacques Flash, qui est donc... Euh, qui est un historien de la posture juridiste, qui s'intéresse aux chartes et aux chroniques pour faire l'histoire juridique des classes sociales euh, fait une première démonstration en fait l'écrasante majorité de son livre est fondée sur les chroniques et les chartes et vous voyez que ici il cite par exemple Grégoire de Tours donc on est dans les chroniques latines euh, Cassiodore et, euh, et donc il s'appuie sur des, des documents latins et des documents chronographiques puis il arrive au moment où il veut parler davantage de, de la dimension idéale de la chevalerie et euh, on fait simplement un petit glissement documentaire hein, avec une phrase comme « Ce double aspect se révèle dans tous nos vieux poèmes. » Et puis, op, dans les 20 pages qui suivent, on passe à des chansons de gestes et des romans courtois qu'on qu met à la suite de Chronographie sans poser la question en fait, du, du sens de chacun de ces genres littéraires. Quoi. On les prend comme simplement pour l'information positive qu'il y a dedans. Après, on, on développe le modèle sans poser explicité euh, le fait que qu'on ne peut pas changer concrètement de document comme ça sans incidence, parce que le genre documentaire a une grande importance sur la façon dont le discours est proposé. Et ça, c'est un exemple de Jacques Flash, mais à mon avis, la théorie de la, 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 la juxtaposition documentaire la plus, la plus grande dans l'histoire de l'adoubement, c'est la théorie de la christianisation de l'adoubement. Je, je vous donne un exemple, j'en parle rapidement, mais Léon Gauthier, donc, qui est celui qui a historicisé le concept d'adoubement. Euh, en a proposé une évolution historique. Selon lui, la Doubain, au départ, avait un stade qui était barbare au, 12, au 10e, 12e siècle. Et puis ensuite, sous l'action de l'Église, la Doubain aurait été christianisée progressivement. Et à la fin du XIIIe siècle, il serait devenu un sacrement parce qu'administré par un évêque. Et donc, c'est l'idée très très convaincante que développe Léon Gauthier quand vous, quand vous lisez son ouvrage. Mais si vous faites attention à sa démonstration documentaire... En réalité, ce que fait Léon Gauthier, c'est faire correspondre au stade initial les chansons de gestes, faire correspondre au stade de christianisation un poème didactique qui symbolise l'adoubement qui s'appelle L'Ordenne de chevalerie. Et il prend uniquement le pontifical de Guillaume Durand pour parler du stade de sacralisation. Et j'insiste là-dessus en ce sens que tous ces genres de documentaires, tous ceux que je vous ai présentés, ne sont pas dans une dynamique de succession les uns aux autres. Je veux dire, ils, ils apparaissent dans une dynamique de succession, mais en réalité, ils coexistent tous au XIIIe siècle, et que trop souvent les discours sur l'évolution de l'adoubement procèdent, je dirais, de juxtaposition documentaire. On commence par les histoires, puis on vire dans les, dans les romans courtois, ou euh, on commence dans les chansons de gestes, chansons de gestes qui étaient largement copiées à l'époque des créations du pontifical de Guillaume Durand, et, et on invente une logique de succession. Donc, premier, premier piège de corpus, je dirais, ou premier piège de démarche. Et la deuxième défi, donc qui est la conséquence du premier, c'est comment est-ce qu'on peut faire une histoire à partir d'un ensemble documentaire hétéroclite? Parce qu'il y a un problème de constitution du corpus. Vous le savez que chaque fois que vous voulez agréger un nouveau type de document à votre corpus, c'est d'autres démarches de recherche dans d'autres outils de recherche. Ça, fait que ça complexifie le tout. Et il y a les problèmes très concrets d'intégration méthodologique du corpus. C'est-à-dire, comment vous faites pour traiter des discours des genres qui sont si différents? Et a fortiori, quand vous avez affaire à des, à des différences linguistiques qui recoupent aussi les différences de genre documentaire. En ce sens que quand vous travaillez avec des œuvres chronographiques, des documents diplomatiques, des registres, des exemples ou des contes, vous travaillez essentiellement en latin. Et quand vous travaillez sur le monde de la littérature courtoise, vous travaillez essentiellement en langue d'ouïe pour les chansons de gestes, les romans en vers, les romans en prose, les laits et les œuvres chronographiques. Mais à ça, vous pourriez ajouter en situation de triglossie tout ce qui appartient à, à la langue d'oc, ou même à la fin du XIIIe siècle, voir ce qui se fait en, en anglais. Donc, si je ramasse les, le côté problème pour passer au, au côté solution, je pense qu'avec l'histoire de la chevalerie ou avec l'histoire d'adoubement, et possiblement vous de, de votre côté dans vos propres recherches, en tout cas, euh, Disons que, dans le cadre de mes travaux doctoraux, j'étais confronté à la nécessité de décloisonner les sciences historiographiques, en dépassant l'hermétisme documentaire, par la construction d'un corpus complexe et méthodologiquement traitable, malgré son caractère bilingue, parce que j'ai retenu donc la, la langue d'Ouil, qui était la langue de, de l'Angleterre et de la France du Nord, aux côtés du latin. Alors ça, c'était mes, mes problèmes, euh, les problèmes méthodologiques qui m'ont ben, mes problèmes épistémologiques et méthodologiques qui m'ont occupé pendant la thèse. Et, euh, et voici les différentes réponses que, que j'y ai, ai apportées. Donc après beaucoup d'essais d'erreurs quand même, hein, ma réponse à ce défi a pris la forme d'une tentative de tenir la chaîne de par les deux bouts expression que j'emprunte à Nicolas Perrault, c'est-à-dire de constituer et de traiter un corpus hétérogène de manière cohérente et englobante, tout en tâchant de ne pas gommer les différences de genre. Au fond, respecter les différences de genre, mais réussir à les traiter ensemble. Et cela m'imposait concrètement de précéder toute réflexion sur tel ou tel aspect. De l'adoubement, d'une réflexion sur la variable du genre documentaire de façon principale et ensuite sur la variable de la langue. Et c'est pourquoi j'ai choisi une démarche que je qualifie de générique, hein, qui part vraiment des genres de documentaires. Et, euh, et donc, c'est celle-là qui, à mon avis, m'a permis de transcender ces différences ou ces défis. Et donc, cette démarche générique, elle est sous-tendue par l'hypothèse inductive qu'il existe un rapport, un rapport déterminant. Entre le genre documentaire qui mentionne l'adoubement et les modalités linguistiques et discursives selon lesquelles il est exprimé. C'est un peu ça que je tentais de vous montrer dans la deuxième partie. Et donc, je partais de la prémisse évidente qu'une chanson de geste donc, ne dit pas l'adoubement la, de la même façon qu'un qu conte sur une tablette de cire, mais aussi qu'il y avait des, des nuances fines entre les différents genres chevaleresques dont il fallait tenir compte. Et c'est une démarche qui n'allait pas de soi, hein, notamment par rapport à la littérature, parce que pendant longtemps, et notamment après Paul Zumthor, euh, en fait, on, on a défendu l'idée qu'il valait mieux éviter tout recours au genre documentaire pour parler de la production littéraire médiévale, en disant qu'il valait mieux utiliser les critères de poétique pour classer les œuvres. Et, et ça, c'était défendu aussi par l'idée que les clercs étaient des gens qui écrivaient, c'est les mêmes personnes qui écrivaient en latin, qui écrivaient en français, qui écrivaient plusieurs genres de textes. Donc l'idée, c'était de partir d'une approche de poétique plutôt que d'une approche de genre, et euh, mais récemment, je dirais, d'une part en histoire, il y a Evgenia Chalina qui a fait un travail sur le vocabulaire de pouvoir qui a montré que ça pouvait être très utile de traiter des, des corpus génériques assez unifiés sur le plan de la forme, que ça avait un sens. Et il y a des travaux en littérature, derrière Patrick Morin notamment, qui ont revalorisé la notion de genre, qui rendent légitime d'aborder les, euh, les documents historiques à partir de la notion de genre documentaire en autant qu'on ne le prenne que sur le critère de la forme. Que moi, ça a été ça que j'ai choisi de faire. Euh, lui part du principe hein, que pour les médiévaux, qui accordaient une, une grande importance à la sonorité, à la métrique, à ces éléments-là, euh, les médiévaux, à des typologies aussi bref, longs ou des choses comme ça, les médiévaux étaient plus à même de classer donc, les œuvres en fonction de ces critères qu'en fonction de la poétique. Et ça a été aussi euh, renforcé, je dirais, par euh, le déboulonnement du mythe du fait que les, que les manuscrits sont plurigénériques. En réalité, pour les manuscrits chevaleres du XIIe et XIIIe siècle, on parle de 96 des manuscrits qui ne comportent qu'un seul genre documentaire. Fait que je suis retourné aussi là-dedans pour valider ma démarche. Alors, qu qu'est-ce qu que ça donne euh, côté, euh, côté corpus? Ben, pour mon corpus de thèse, rapidement, hein, ce que j'avais fait, moi, c'est que j'ai trouvé 970, ça c'est le chiffre total, documents qui mentionnaient l'adoubement. Je suis parti du principe qu'il fallait les classer en fonction des genres documentaires. Et ce que j'ai classé, ce sont des extraits de texte. Donc, si je, prends, euh, si je prends un tel extrait de texte, ce que j'ai récupéré, c'est des séquences de texte logiques, c'est-à-dire des phrases complètes, où apparaissait une expression qui désignait l'adoubement. Donc, à chaque fois, je récupérais une occurrence avec le vocabulaire autour, dans une base de données, base de données que j'ai euh, lématisée. Donc, pour avoir euh, tous ces mots en français et en anglais, j'y reviendrai. Mais... Euh, mais je, je me suis rendu compte donc, que la démarche générique pouvait permettre de transcender les défis dont je vous parlais, à la fois l'hermétisme documentaire et les sillons historiographiques. Euh, et je, vais, je, vais, je voudrais vous en montrer des applications, euh, des applications possibles. Alors, euh, je l'ai fait pour à peu près. En fait, j'ai appliqué et repris cette démarche générique dans son application et dans ses principes. Pour reprendre toutes les questions qui, qui ont été traditionnellement posées par les historiens de l'adoubement. La grande question, ou une des grandes questions qui est posée depuis le 19e siècle, c'est qui peut adouber? Qui peut légitimement faire des chevaliers? Et puis, de mon côté, bon, j'ai pris tous les, tous les extraits de texte où je pouvais répondre à cette, à cette question. Puis là, vous l'avez, vous avez ici le, le format tabulaire, simplement un calcul des fréquences sans égard au genre documentaire. On voit déjà des choses. On voit déjà la prépondérance, par exemple, dans les adoubements consignés, toujours documentaires confondus, la prépondérance du rapport seigneur-vassal, du seigneur-fils, du rapport seigneur-nourri dans une relation de fosterage, ou encore du rapport fraternel, du rapport entre le seigneur-le serviteur, le chevalier et l'écuyer, et la supériorité de douba Ce que j'appelle par supériorité d'adoubère, c'est simplement les textes où on dit que quelqu'un fait des chevaliers sans mentionner les chevaliers, Ou ce qui est important, c'est de souligner la largesse de la personne qui accomplit l'action. Ça, c'est ce que j'avais fait, mais je me suis dit, peut-être que la démarche de classement par genre pourrait nous permettre d'aller plus loin que ce constat, qui est au fond un constat auquel était arrivée l'historiographie. Et ça donnait des choses quand même pas mal du tout. Donc, ce que j'ai fait pour reprendre cette question, c'est de faire un, un calcul des spécificités, en fait, et de voir quel genre de relation était associée à quel genre de documentaire, pour essayer de faire sortir des univers de discours. Et, euh, et donc, sur un plan factoriel comme celui-ci, vous avez ici en rouge les principaux genres documentaires, hein, histoire ou chronographie, romans en prose, romans en vers et chansons de gestes. Et les points bleus sont les différents rapports que vous aviez dans le précédent tableau. Et donc, plus un point bleu est près d'un genre documentaire, et plus la, la corrélation, plus grande est la probabilité que vous ayez ce genre d'adoubement présenté dans tel genre documentaire. Et je pense que là où l'utilité de cette démarche, ou ce qu'a apporté cette démarche, c'est vraiment d'être capable d'identifier ou de cerner les différents discours développés par les différents types de documents sur l'adoubement. C'est-à-dire que moi, j'en vois, j'en ai vu trois. Hein. Euh, C'est-à-dire que quand vous êtes face à des adoubements dans les chronographies ou dans les, dans les, adoub, dans les, dans les écrits à caractère historiographique, vous êtes en présence de rapports qui sont des rapports seigneuriaux, qui sont des rapports euh, féodaux vassalés Vous trouvez le beau-père et le gendre. Vous trouvez le père et le fils. Vous trouvez le seigneur et le vassal. Vous trouvez les frères entre eux, parce que les rois adoptent souvent leurs frères. Mais vous trouvez aussi les évêques qui adoubent leurs écuyers pour en faire des chevaliers, ou les communes qui adoubent leurs vassaux. Et vous êtes dans, une, dans un. Un univers discursif qui insiste d'une part sur, je dirais, d'une part sur l'organisation des rapports de pouvoir et sur la légitimation des différents acteurs de l'histoire. Mais avec la chanson de geste, vous êtes dans un univers qui est tout à fait autre. Vous êtes dans un univers où les parrains adoptent leurs filles. Vous êtes dans des univers où des dames ou des fées, les dames ou des fées adoptent des écuyers ou des jeunes valets. Euh, des princesses adoptent des écuyers. Les grands-pères adoptent leurs petits-fils. Euh, les régents adoptent euh, des futurs rois et des seigneurs leur nourrit, hein, comme dans l'exemple de, de Garnier. Et donc, ce qu'on a avec la chanson de geste, et souvent, il y a des historiens, je vous dis, si on fait juste la juxtaposition documentaire, on a tendance à croire que les rapports qui, qui sont présents dans la chanson de geste peuvent être des rapports qui s'appliquent en réalité. Mais ce que vous avez dans la chanson de geste, c'est des rapports qui sont à peu près jamais attestés dans les chronographies. Donc, il y a une distinction assez forte. Ce que développe la chanson de geste comme discours sur l'adoubement, c'est... Quels sont, parce que généralement les, les héros de chansons de gestes sont dans le pétrin dès la page 1, c'est quels sont les rapports qu'on peut inventer comme pouvant être des rapports de substitution pour accomplir des adoucements par rapport à tous les qui, tous les rapports qui, eux, sont des rapports réels et attestés. C'est une exploration du monde des possibles, mais c'est pas ce qui se passe. Donc je pense que euh, ça permet de, de dire ces rapports sont des possibilités, euh, des possibilités théoriques, mais c'est cela qui compte dans la réalité matérielle. Et pareillement, vous voyez que, euh, toujours avec cette même démarche générique, on est capable d'isoler deux rapports qui sont le rapport seigneur-serviteur, ça c'est vraiment euh, le chevalier qui se fait bien servir par un, par un de ses serviteurs, puis qui l'adobe en récompense, ou encore le chevalier qui gratuitement adobe son écuyer. Dans l'idée que tout chevalier peut naturellement faire des, des écuyers. Et ça, c'est des rapports qui sont presque exclusivement développés dans les romans en prose et en vers. On a là la confirmation que ces deux genres de présentations, ces deux genres d'adoubements de, 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 qui ont été présentés, on, on, on dit souvent dans les travaux d'histoire, tout chevalier peut faire un chevalier. Ben, moi, c'est n'est pas ce que je lis dans les chronographies. Ça appartient plutôt au développement d'un discours symbolique qui tend, je vous le disais, à faire de la chevalerie une association spirituelle, élective, fraternelle, qui n'est pas la chevalerie qui est présentée dans, dans les chronographies. Premier type de d'exemple de ce qu'on peut faire avec une telle démarche. Je me suis interrogé en, en deuxième lieu sur, euh, sur les temps du discours, ce que j'ai appelé les temps du discours. Parce que pour transcender les, les divisions de langue français-latin, pour transcender la variété des genres documentaires, je me suis dit il faudrait quand même que je trouve une méthode de, de codage qui me permette de passer à travers tous les documents pour essayer de traiter de façon unifiée. Et là, j'ai fait énormément d'essais-erreurs, puis j'ai commencé sans, sans démarche générique à la base. Et puis, je me suis rendu compte, en réalité, que ce qui distinguait et, et, et ce qui divisait et regroupait les discours sur l'adoubement par-delà les genres documentaires et la langue, c'était le rapport temporel par rapport à la pratique. C'est-à-dire que, généralement, quand vous êtes dans un document et on parle de l'adoubement au futur, donc comme un projet, bien, les, les discours vont être assez semblables les uns aux autres. Si un document parle de l'adoubement au moment où il est performé, au moment de la cérémonie, les discours sont semblables aussi, peu importe le genre. Pareil pour le discours rétrospectif sur l'adoubement qui s'est déroulé dans le passé. Et ce que j'ai appelé euh, le discours hypothético-conditionnel, c'est qu'est-ce qu'on doit faire dans l'éventualité d'un adoubement. Ça, c'est bon, ben, payer la personne, lever une ou aide, ou des choses comme ça. Et j'avais identifié ça comme, comme façon de regrouper les, les, les différents sens du discours. Mais là encore, je me suis dit, je vais tester la démarche générique. Et ce qu'on voit apparaître, c'est que, en fait, pour tout ce qui est du discours sur l'adoubement projeté, donc l'adoubement qui sera dans le futur, bien, vous tombez dans les chansons de gestes, les romans en vers et les romans en prose. Donc, c'est majoritairement ces trois genres documentaires qui utilisent le discours de l'adoubement qui est dans le futur, dans le temps. Pour construire sociologiquement la période de l'enfance, vous avez des discours qui disent Bon, ben si t'es pas adoubé, t'as pas le droit de faire ça. En général, ça se retient à ça. Et donc, c'est un enjeu de ces trois genres de documentaires-là d'expliquer de, de, et de développer pour l'aristocratie laïque, de normer les interdits des enfants des aristocraties laïques, euh, de tenir un discours sur la manière dont les aristocrates laïques entre eux devraient s'organiser. Par contre, dès que vous tombez sur les discours de l'adoubement tel qu'il est performé, une description d'un adoubement qui prend place, là vous êtes majoritairement dans le genre de la chronographie ou de l'histoire. C'est vraiment ce genre-là qui, euh, qui est le principal. Et ça sert généralement à, à légitimer euh, ou, ou à rehausser le statut, donc soit de l'adoubeur, soit de l'adoubé, et à exprimer ce qu'il peut désormais faire dans l'immédiat, comme je vous l'ai montré dans les premiers, dans les premiers extraits. Et si vous retournez à l'adoubement déjà effectué, ça c'est de dire, quelqu'un par exemple, quelqu'un qui plus tard, une fois, une fois qu'il est fait chevalier, dit « telle personne m'a adoubé ». Donc des constructions discursives qui permettent de marquer des identités relationnelles entre les personnages ou entre les, les acteurs historiques. Ou encore qui disent « maintenant que je suis adoubé, j'ai le droit de faire ça ». Mais on retombe majoritairement dans les écrits qui appartiennent à la, à la littérature euh, courtoise. Et pour tout ce qui est hypothético-conditionnel, vous ne serez pas surpris de voir que ça tombe dans les registres, et les, euh, les registres et les chartes. Ce sont eux qui développent ce genre de discours. Alors, euh, encore une fois, je pense que la... d'en arriver à ce genre de constat avec une, une démarche, euh, avec une démarche fondée sur le genre documentaire, ça permet de fonder l'hypothèse selon laquelle on ne peut pas se passer d'un seul de ces types de documents. Euh, en ce sens que, en se passant donc, si on se passe d'un de ces types de documents, parce qu'il n'y a aucun de ces types de documents qui contient en lui seul les quatre types de discours possibles sur l'adoubement, mais en se passant d'un seul de ces genres documentaires, euh, on se passe aussi donc d'un sens social ou, ou de la finalité d'un des types de discours possibles sur cette pratique. Et puis. Hum, J'en arrive et puis euh, j'arrive vers la fin. Euh, aux possibilités de la, de la statistique lexicale, parce que je vous avais dit, plutôt qu'une des choses qui m'avait intéressé, c'était euh, le rapport entre les langues. Hein. Est-ce que les expressions qui désignent l'adoubement veulent dire la même chose? Euh, les syntagmes qui expriment l'adoubement sont-ils synonymes? Et puis la manière d'exprimer l'adoubement chez l'adresse qu'en langue correspond-elle à ce que l'on observe en latin? J'avais une démarche de statistiques lexicales pour répondre à ces questions qui m'occupaient fortement euh, par rapport à des observations qui ont été faites dans les documents. Puis, euh, encore une fois, comme dans le, la logique précédente, je, je suis parti sur un... Je suis parti au départ sur une démarche qui ne tenait pas en compte les genres documentaires. Et puis, quand j'ai appliqué la variable de genre documentaire, ça s'est euh, révélé euh, plus, euh, plus intéressant. Et donc, je dirais que, généralement... Quand on a abordé l'adoubement, on l'a fait en partant du principe qu'on pouvait amalgamer les textes en français et en latin, parce que c'était grosso modo le même vocabulaire, parce que c'était à peu près le, les mêmes synonymes. On traitait toutes les, toutes les façons de dire l'adoubement, que ce soit être fait chevalier, adobé, arme donnée, cindre l'épée le brun, recevoir l'ordre de chevalerie comme des synonymes interchangeables. Et pareil en latin, euh, même si Militem Fakeri, Jean Fleury a remarqué que c'était une... Une, une façon de nommer l'acte de fer chevalier qui était, qui était importante. Euh, on retrouve aussi des, des exemples comme Singulum, Balteus, Militia, Arma, Gladius, ou Singere ou Axingere, hein, toutes des réalités qui permettaient d'exprimer euh, la Doubma. Et je me suis posé la question est-ce que c'est vrai de dire qu'on peut comparer les textes latins et les textes français Et pour ça, j'ai. Euh, j'ai euh, établi en fait un, ce que j'ai appelé le lexique dominant de l'adoubement en ancien français. C'est-à-dire que j'ai pris tous mes extraits de texte et j'ai euh, cherché à les classer en. en fait, à prendre les 100 mots, les 100 lemmes qui reviennent le plus souvent dans tous les textes. Et ce que vous avez, euh, donc à gauche, c'est le rang en importance. Ce que vous avez au centre, c'est le lemme. Et ce que vous avez ici en troisième colonne, c'est. Euh, c'est le nombre d'occurrences dans le texte et c'est répété en trois colonnes jusqu'à jusqu 100. Et je m'intéressais beaucoup au vocabulaire, donc, pour pouvoir ensuite tenter de voir s'il n'y avait pas une différence entre les façons de désigner l'adoubement. Mais la première chose, quand même, que ce genre de travail permettait de, de montrer, ou plutôt de démontrer, parce que c'est quelque chose dont, dont intuitivement on pouvait, on pouvait avoir l'idée, c'est que. Les, tous les mots qui entourent les expressions qui désignent l'adoubement en français et en latin sont très, très différents. On est dans des, dans, dans des sens de mots, on est dans des discours qui sont franchement différents. En français, par exemple, euh, vous avez des mots évidemment qui sont importants comme chevalier, roi, seigneur. Euh, mais vous avez aussi tout un vocabulaire qui est celui de la cour féodale. Euh, il y a des barons, il y a des comtes, il y a des ducs, il y a des pères, des frères, des mères. Bref, une façon de dépeindre la cour féodale et les relations aristocratiques qui sont propres, donc, à ce genre de discours, au discours courtois. Et vous avez aussi une, beaucoup de, de lemmes hein, qui, euh, qui correspondent au vocabulaire chevaleresque. Et vous n'avez surtout aucun personnage ecclésiastique, parce que la littérature euh, chevaleresque exclut les, les personnages ecclésiastiques euh, de, leur, de leur imaginaire. En tout cas, ils ne sont pas nommés. Et ce que vous avez dans le lexique dominant en latin, c'est des mots qui sont très différents. Si vous enlevez les premiers, qui se retrouvent comme roi, chevalier, comte et tout ça, euh, on trouve beaucoup plus de D'abord, on trouve des mentions à l'église, on trouve des mentions à Dieu, on trouve des, des mentions de, de personnages euh, personnages euh, historiques et donc des, euh, des, des, des personnages aussi ecclésiastiques sans les rapports de parenté, sans les rapports de parenté qui étaient encore une fois des rapports possibles pour l'adoubement. Donc c'est le premier travail que j'ai fait, mais ce travail je l'ai fait surtout encore une fois pour, euh, pour essayer de faire des travaux de synonymie et des travaux d'examen de chacun des discours qui, peut être tenus, qui peuvent être tenus par les, les genres documentaires. Et puis ma question de base, c'était est-ce qu'on exprime l'adoubement de la même façon Est-ce que ça veut dire la même chose si on dit adoubé, si on veut dire cendre, si on dit fait chevalier ou si on dit arme donnée Et puis ce que je pense avoir réussi à montrer, c'est que euh, pas tout à fait. Pas tout à fait évidemment on désigne par toutes ces appellations une, une pratique qui est euh, qui est la même mais on construit pas du tout son sens de la même façon c'est à dire que dans les chansons de gestes où on, on utilise volontiers ceindre l'épée ou encore le verbe adober on parle essentiellement du chevalier comme quelqu'un qui a des choses ce qui est important c'est ce qu'on doit avoir pour être chevalier et c'est pour ça que vous avez tous les mots par exemple aubert comme destrier comme écu, comme épée, donc les, les, les mots qui sont relatifs à l'équipement du chevalier, qui sont fortement associés à la chanson de geste. Et vous avez euh, donc un stade au contraire du roman en prose. Dans les romans en prose, moi, j'ai pas trouvé d'autres mots que faire chevalier. Hein. C'est vraiment vraiment ça qui est mis de l'avant. Donc, avec le roman en prose, vous avez un, un discours qui se trouve à être euh, à être euh, un discours plutôt sur ce qu'on est chevalier, sur le fait d'être chevalier, c'est d'avoir subi une transformation sociale. C'est un discours sur l'être et sur les rapports qui, parmi la chevalerie, permettent cela, avec une, euh, une transition par, euh, par le moment des, des romans en vers. Et en fait, j'ai posé l'hypothèse que la construction du sens de l'adoubement vers un sens de plus en plus chevaleresque et de plus en plus gratuit s'est fait quand même euh, progressivement de la chanson de geste au roman en prose. Et pour le latin, en appliquant donc les, euh, les, les, le calcul des spécificités aux quatre principales expressions latines désignant l'adoubement en fonction du genre documentaire. Euh, outre le fait que, euh, que je, je pense que ça c'est quelque chose que Jean Fleury avait montré, je l'ai dit, qu'on retrouve milles Factus pour désigner l'adoubement en latin dans la plupart des documents, euh, ce, que, ce, que, ce qui est intéressant, c'est de montrer en fait la grande différence entre la manière d'exprimer l'adoubement dans le genre de la, de la chronographie. C'est-à-dire que dans les genres chronographiques, on utilise volontiers des expressions qui sont construites avec singulum ou avec arma, des expressions plus littéraires. Et avec ces expressions, on construit des, euh, des sens qui sont, euh, qui sont différents. Soit qu'on euh, qu veuille donner une, une connotation davantage impériale en reprenant des termes qui étaient, euh, qui étaient utilisés avant. Qu'on marque une, une amélioration sémantique par rapport au terme de, de miles factus. Mais en tout cas, ce genre de mot, donc comprenez encore une fois comme synonyme, parce que ce qu'on disait, c'est singulum accentus ou, euh, ou arma dare, donc donner des armes ou cindre du, du ceinturon, on disait six synonyme de euh, miles factus, alors qu'il y a des genres documentaires qui admettent presque pas ce genre de, de formulation, euh, parce qu'elles qu construisent le sens, à mon avis, de façon différente. Et puis, j'aimerais terminer peut-être plus par des, euh, par des hypothèses, moins, moins, je dirais moins par une démonstration que par une série d'hypothèses, parce qu'en plus, euh, plus de toutes ces questions posées, ces questions méthodologiques et, et documentaires posées par, euh, par l'enjeu de l'écriture de la Douman, il me semble qu'il y avait une autre, euh, une autre piste de réflexion à suivre, qui était celle du sens social de l'écriture. Et ça euh, réfléchir au sens social de l'écriture, c'est quelque chose que en histoire médiévale c'est quelque chose qui a été largement intégré depuis les années 90 mais je pense que mais c'est pas quelque chose qui avait été récupéré par les historiens de la chevalerie, c'est pas quelque chose non plus qui a été euh, qui a été appliqué pour la douma. Alors de façon de façon plus large et pour discussion, ben, j'aimerais vous présenter mes hypothèses sur une question fondamentale qui est je vous ai parlé des documents mais pourquoi on a des documents de Pourquoi a-t-on médiatisé l'adoubement par écrit alors que c'était une pratique caractérisée par l'oralité et la gestualité Alors bon, ça a été abordé quand même, je dirais, par la bande dans l'historiographie, en ce sens que on a proposé des hypothèses fonctionnalistes du genre la chanson de geste apparaît. C'est Daniel Poirion qui disait la chanson de geste apparaît du moment où un groupe guerrier veut se donner une identité. Qu'ils ont besoin de textes pour euh, élaborer leur code, donc on se dote de chansons de gestes, par exemple, ou évidemment des hypothèses d'intentionnalité. On écrit des, des documents qui parlent de l'adoubement parce que euh, telle personne euh, reçoit une commande du roi Henri II d'Angleterre. Mais moi, je me disais que, en fait, c'était plus intéressant de poser des questions plus larges et d'essayer de lier le problème de l'existence même de documents qui mentionnent l'hypotogénèse. Au, au sens social de l'écriture dans la société médiévale. Et mes hypothèses que j'aimerais vous présenter hein, sont, au, sont au nombre de, de six. Le premier problème, à mon avis, c'est que l'opération consistant à médiatiser l'adoubement à l'écrit euh, suppose d'abord et avant tout que les médiévaux jugent que l'adoubement vaut la peine d'être mémorisé, ce qui n'allait pas du tout de soi. Et qui pourtant n'a pas été relevé dans l'historiographie de la chevalerie. C'est un donné. Donc, on sait pourtant qu'il existe un décalage d'une centaine d'années entre l'apparition de mentions d'adoubement dans l'historiographie anglo-normande et les histoires qui sont produites en Ile-de-France. Alors même qu'il y a des documents diplomatiques produits en même temps aux deux endroits qui montrent que la pratique apparaît en même temps. Donc il y a un premier problème, de pourquoi est-ce est que les moines, par exemple d'Angleterre, jugent que la doublement vaut la peine d'être intégrée à leur histoire, alors que ce n'est pas le cas des moines français Et puis donc, sachant que la construction, ben, français au sens des deux français, hein. et donc sachant que la construction médiévale de la mémoire, de l'accomplissement de certaines pratiques et des actions de certains agents historiques fabriqués en même temps, et par la négative, l'oubli de tout ce qu'on ne considérait pas comme méritant d'être rappelé. Et que la chronographie médiévale avait pour fonction édifiante de raconter ce qui a été fait en insistant sur les acteurs par lesquels les événements arrivent en fonction de la volonté de Dieu, il fallait que l'adoubement ait acquis assez d'importance socio-symbolique pour être digne d'être mémorisé. Puis je dirais surtout, puis ça c'est une proposition originale, il fallait qu'il soit conforme en bien ou en mal aux représentations chrétiennes avant d'entrer dans l'Historia. Donc ça revient à dire qu'il fallait que les auteurs d'écrits chronographiques. Est une conception ecclésiologique de l'adoubement avant d'intégrer la ce genre de pratique à la geste divine qu'ils étaient en train de narrer. Par ailleurs, l'importance de l'adoubement dans la, la littérature chevaleresque en langue vernaculaire n'allait pas non plus de soi, parce que la chanson de Roland, on le sait, ne mentionne pas l'adoubement. C'est quelque chose qui apparaît après. On peut tout à fait avoir une littérature courtoise sans adoubement, et la lyrique doc qui. Euh, qui ne mentionne l'hypotogénèse que de manière hyper marginale, montre qu'on pouvait vraiment se passer de cette pratique pour développer une littérature courtoise. Il faut bien comprendre que la fréquence d'apparition de l'adoucement chevaleresque dans les chansons de gestes et les romans, c'est le symptôme de l'importance décisive acquise par cette pratique dans l'autodéfinition d'aristocratie laïque à partir du moment de la première floraison courtoise. Et ça, je reprends cette idée à Anita guerouj hein, dans une dynamique de confrontation symbolique avec l'aristocratie ecclésiastique, autour de la proximité avec le divin et du contrôle de la capacité socio-générative des aristocrates laïcs. Au-delà des différents discours que je vous ai présentés, il y a aussi le, le sens même de chaque genre de documentaire par rapport aux autres genres. Et puis, la médiatisation de l'adoubement présuppose également que l'on considère l'écriture comme un support adéquat pour cette mémorisation. Ce qui, là encore, ne va pas de soi, étant donné le rapport unique de la civilisation médiévale à l'oral et à l'écrit. Ce rapport est déterminé par la matrice chrétienne d'une valorisation constante de la parole, prototypiquement divine, pardon, une parole nécessairement transmise par l'écrit, mais par un écrit qui est idéalement nié parce qu'il est à la fois pensé comme une parole et il est destiné à être réoralisé par la lecture à haute voix. Anita Guerreau-Jalabert, encore une fois, a développé cette idée dans Parole et paraboles. Dans cette perspective, la qualité acquise par la parole, justifiant qu'on la mette à l'écrit, donc qu'on écrive la doublement, c'est sa capacité de durer dans le temps. Et cette projection temporelle, dont la validité repose sur la réalisation de la construction de l'oubli et le déclassement effectif de la mémoire sociale orale, périssable parce que charnel, autorise la création de traditions par l'assertion scripturaire de leur continuer dans le temps. » À mon avis, c'est ce qui est en jeu lorsque les auteurs d'œuvres chevaleresques font remonter l'adoubement jusqu'au temps arthurien ou, les temps, ou à l'époque romaine, hein, pour les romantiques. antiques. C'est un processus qui n'est pas gratuit, parce que euh, si l'on présume avec ce qui des, que ce qui sous pardon, l'invention des traditions, c'est l'affirmation d'un pouvoir seigneurial vis-à-vis de ses concurrents seigneuriaux et de ses dépendants, on peut postuler que l'existence de la tradition scripturaire de l'adoubement était l'une des conditions de son efficacité dans la construction du pouvoir symbolique de l'aristocratie laïque, encore une fois, vis-à-vis -vis des clercs d'une part et vis-à-vis -vis des dominés d'autre part. Et puis je me suis demandé avec, euh, avec Joseph Morcel, puis là je vous fais un clin d'œil Philippe, hein, euh, on peut de surcroît poser l'hypothèse que l'écriture de l'adoubement avait moins pour objectif la mémorisation de l'hypotogénèse elle-même que la, que la spiritualisation pardon, de la mémoire de l'adoubement. En effet, dès lors qu'on admet précisément que l'oralité, ou plus précisément la voix, vox, était considérée par les médiévaux comme un principe charnel, personnel et mortel, uni au sein d'une opposition complémentaire à la lettre et à l'écrit, on peut raisonnablement affirmer que l'écriture était caractérisée par cette dimension spirituelle, collective et immortelle. Et c'est dans cet ordre d'idées qu'on peut considérer que la mise par écrit par l'adoubement n'est pas simplement un mode de mémorisation, mais aussi un mode de dépersonnalisation de la mémoire et de spiritualisation en quelque sorte de mémoire en dépit de son caractère matériel, dans la mesure où la spiritualisation permet d'échapper à la mort physique. Et donc il me semble que la mise par écrit de références à l'adoubement était de facto performative, que celle-ci soit lue, entendue ou non. Parce qu'en tant que contenu d'un document écrit, les références à l'adoubement, dans la mesure où elles étaient lues, le faisait ex exister à l'esprit des auditeurs et du lecteur, en même temps qu'il justifiait et modulait la manière dont les aristocrates conduisaient réellement cette pratique. Parce que quand on écrit les déroulements d'adoubement, ça a un rapport performatif sur la manière dont les gens qui grandissent et intègrent la façon dont c'est décrit le pratiquent eux-mêmes. Mais même lorsqu'ils n'étaient pas lus ou entendus, les documents mentionnés d'adoubement contribuaient à fonder la tradition de cette pratique et à légitimer ceux qui la maniaient simplement parce que ils existaient en tant qu'objets graphiques destinés à être conservés et ou montrés parce que les chronographies, la littérature chevaleresque, les chartes et les registres sont des objets documentaires qui font un échange symbolique inégal parce que ceux qui les possèdent et qui les donnent à lire et à voir produisent des situations de communication où toute réponse donc toute réciprocité est impossible pour ceux qui ne possèdent pas l'écrit et qui ne peuvent pas donc fonder de ce genre de relations inégales et donc, et je terminerai avec ça, tout ceci ne signifie pas que l'écriture de l'hypothéogénèse procède de la pratique elle-même, ni que son adoption fonde la supériorité de l'aristocratie laïque, mais bien que le recours à l'écrit pour exprimer cette pratique, donc renforcer une domination sociale déjà effective, et ce, en vertu du capital symbolique, qu'octroyait, donc, que permettait de générer l'usage et la possession d'objets graphiques au Moyen-Âge, parce qu'on sait que l'Église, euh, l'Église a tiré pendant tous les siècles centraux du Moyen Âge un important pouvoir symbolique lié à son monopole, donc ce monopole culturel qui s'était arrogé à la faveur de la Réforme carolingienne sur l'écrit. Et il me semble donc que l'appropriation de l'écrit et, et du livre par les aristocrates laïcs constitue une contestation de ce monopole par le truchement d'une compétition linguistique, parce que les aristocrates laïcs écrivent essentiellement en langue de Wilton, ce que les clercs écrivent en latin. Et donc, une compétition qui se fait via la littérature courtoise et son discours, valorisant sur les pratiques chevaleresques, et notamment sur l'adoubement. Et je pense que ce discours et cette médiatisation, donc par l'écrit, étaient un élément nécessaire à la légitimation, à l'exercice et, et au renforcement de la domination sociale de l'aristocratie laïque. Voilà, je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention.